Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing consacré au Thundercraft Farbe 222 ou SDKFZ 222 Leichte Panzersparwagen, véhicule de reconnaissance léger allemand de la Seconde Guerre mondiale. Hello and welcome to this new unboxing video dedicated to the Thundercraft Farbe 222, also known as SDKFZ 222 Leichte Panzersparwagen, a German light recce vehicle of the Second World War. Il s'agit ici d'un reboîtage de 2003, enrichi d'un canon métal et de pièces en photodécoupe, afin de réaliser les grilles de la tourelle abritant le canon de 20 mm et la mitrailleuse MG34. Here is the 2003 reboot, enhanced with a metal gun barrel and photo-etched part to realize the grids of the turret, housing the 20 mm gun and the MG34 machine gun. La maquette s'ajuste parfaitement, comme toujours avec l'équipe Tamiya, et vous permettra de réaliser un véhicule déployé sur le front de l'Est ou bien en Afrique du Nord. The model fits perfectly, as always, with Tamiya kits, and will allow you to build a vehicle deployed on the Eastern Front or in North Africa. Je vous propose de découvrir en ultra haute définition les grappes et pièces constituant ce kit Tamiya disponible sur les sites 1001 Hobbies. I propose you to discover in ultra high definition the components, sprues and parts of this kit from Tamiya, now available at 1001 Hobbies.